Les affaires africaines de la France sont au cœur de tous les scandales politico-financiers de ce début de millénaire. En Afrique, tout nous intéresse et tout nous rapporte. Le pétrole, l'uranium, le diamant jusqu'au pari mutuel. Nous utilisons l'Afrique noire pour blanchir notre argent sale. Informons donc nos élites des réalités du terrain et du génocide séculaire, économique et mental que nous conduisons en Afrique sous le couvert de la coopération. Voilà, Monsieur le Président, de quoi s'inspirent les liens qui unissent nos deux pays et dont j'atteste que vous êtes à présent, comme vous le fûtes toujours, un artisan et un exemple. Je lève mon verre en l'honneur du général Bokassa, président de la République centrafricaine, en l'honneur de Madame Bokassa, à qui nous sommes. C'est que, à son accession au pouvoir en 1974, c'est bien à moi, petit Bokassa, ici, que Giscard a consacré la première visite officielle. Ça, il ne va pas encore dire que c'est faux. On peut comprendre que De Gaulle puisse clore son chapitre élyséen en recevant une dernière fois l'un de ses grognards favoris, le général Bokassa. Mais comment expliquer que le Centrafrique, du même Bokassa, soit la destination choisie par M. Giscard pour y effectuer son premier voyage officiel? En général, un président français choisit l'Allemagne, un geste fort. M. Giscard, lui, choisit le Centrafrique. Mais pourquoi? Il y a des substances extraites de l'uranium qui servent à l'agriculture, à faire des, surtout à l'agriculture. Et cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc, la Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils Mais ils n'achètent pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Donc, pendant des années, depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, mais il s'agit de ni juste la France, ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos, parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerai comme ça à chaque voyage? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, des années? Oui, des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium. Et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats, on ne donnait rien, et puis rien, alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais. Non, je ne pouvais pas, c'était la France qui avait arrêté, c'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue aussitôt. Cette société à la Suisse, Valéry Giscard d'Estaing ou la famille de Valéry Giscard d'Estaing aurait des intérêts? Absolument, ça c'est fatal. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé. Il n'a pas de débouché sur mer, il n'a aucune chance, il doit se taire. Et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant,
Pour le moment, ce sont deux minerais qui sont exploités. Un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le minerai. En ce moment-là, la France intervient pour empêcher, parce que la France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États, des États étrangers, à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres, que le Centrafrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout, ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Mais en réalité, le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le président de Alufis s'appelle Maier, Monsieur Maier. C'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, Monsieur Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors eux, ils ont eu un geste amical, parce qu'ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays pour l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est un peu le même. Les tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine regorge de diamants et de l'uranium partout. La taillerie du diamant que nous avons, nous sommes associés avec les Américains. De Beers. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50% du pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre. Alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Alors, pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant. Et qu'on essaye de se réunir, que les pays occidentaux se réunissent et aborde le sujet exploitation du sous-sol africain. Voilà un thème.